Bonjour Didier, est-ce que Karim Benzema reviendra en sélection? Qui ça? Karim Benzema, l'attaquant de pointe du Real Madrid, le grand Benzema. Benzema? J'en ai rien à foutre. Mais non, faut pas dire ça, Benzema c'est un grand joueur. En plus, t'es content avec ton sourire de PD là, hein? Tu veux qu'on se tape? Mais non Didier, non. Je préfère. Non mais vous avez quand même vu ces récentes prestations au Real Madrid, elles sont quand même surprenantes. Que pensez-vous de ces prestations? Eh bien, je pense que Olivier Giroud fait une bonne saison. Je compte sur lui. Non mais je parle pas de Olivier Giroud, je parle de Karim Benzema, vous en pensez quoi? Bah oui, Antoine Griezmann est un excellent joueur. Je pense pouvoir compter sur lui dans les moments les plus compliqués. Excellent attaquant. Oui, mais Karim Benzema. Lacazette? Oui, bah, il tirera les pénaltys. Bon, moi je parlais de Karim Benzema. Donc arrête de. Dimitri Payet? Mais non, pas Dimitri Payet, Karim Benzema. Ah, Paul Pogba. Oui, bah lui il est nul. Mais bon, bah je le convoque. Parce qu'il est pas mal, j'aime bien cette dame. Oui, c'est vrai, c'est joli. Bon, laisse tomber, on va plutôt parler de Hatem Ben Arfa. Est-ce qu'il y a une place pour lui dans la sélection du groupe? Hatem? Oui, pourquoi pas? Ça peut être une bonne idée. Il y a toujours de la place sur le banc. Surtout en équipe réserve. Ah, quand c'est Hatem Ben Arfa, vous répondez, monsieur Didier. Maintenant, répondez-nous sérieusement pour Benzema. Si jamais Olivier Giroud se blesse et vous n'avez plus aucun attaquant de pointe, sur qui allez-vous faire confiance? Allez-vous convoquer Karim Benzema? Ah, oh, vous savez, il y a toujours des remplaçants. Je mettrai Patrice Evra en pointe s'il le.